Ouvrons maintenant une page internationale. Une voiture piégée a explosé dans une station-service au sud de Bagdad jeudi, faisant au moins 56 morts, dont 20 Iraniens. Selon des sources officielles, 45 autres personnes auraient été blessées. Un témoin décrit la scène de l'explosion. J'étais ici quand la voiture a explosé, près d'un autobus qui transportait des pèlerins. Il y avait une fumée noire épaisse et plusieurs voitures ont brûlé. Des innocents ont payé de leur vie pour un crime qui ne les concernait pas. L'explosion a incendié plusieurs voitures et coupé le courant de la station-service. Les gens utilisaient la lumière de leur téléphone portable pour chercher leurs proches. Des cadavres qui n'ont pas encore été identifiés ont été placés dans des sacs bleus le long du trottoir. De grands pans de la station étaient couverts de sang. L'État islamique a revendiqué ce nouvel attentat.